Mesdames et messieurs, TV Lakaï Haiti.com, nous comptons rentrer la caillou pour journée mercredi 20 septembre 2023 et pour nous porter vidéo d'information ça pour vous, mais juste avant, nous prenons un petit temps pour nous dire merci à tout le monde, nos amis compatriotes qui pas jamais lagué nous. Mes amis haïtiens, haïtiennes, qui vivent en République Dominicaine, même si nous connaissons un moment, en pile dans nous, à bac Lakaï nous, Haïti. Mais si là tout qui peut qu'on ait volonté retourner par rapport avec situation pays nous, mais nous avons fait un pile prudence parce que selon l'information que nous gagnons là, bagaille pral grave pour Haïtiens. Bon, déjà bagaille était déjà grave, mais bagaille pral empirer, bagaille pral grave net, mesdames et messieurs, parce que Dominicains ont décidé là, eh ben, y a fini avec un Haïtien, y a pas frappé fort là. Donc, c'est bagaille tête chargée. Et nous avons audio là, mesdames et messieurs, nous avons fait autant d'elle rapide vite pour nous faire autant de qui qualité plan que Dominicains yo même yo gagné pour Haïtiens, Haïtiennes qui vivent en République Dominicaine. Bagay yo pral mal passé, mesdames et messieurs, en nous tendez ti audio ça avant tout et en nous tendez après que nous continuons. D'après informations qui ont circulé dans la haute société de la République Dominicaine, après que le président Abinader fin acheté produits que les commerçants dominicains n'ont pas déversé sur le marché haïtien à cause de frontières là qui fermées en raison d'une construction canal là. Il y a une grosse réunion qui fait matin en République Dominicaine sur Haïti. Dans la réunion, ça, il y a les politiciens dominicains, les ultranationalistes dominicains et les commerçants dominicains. Ils ont décidé dans la réunion, ça, que puisque ils ont fait un pile comme avec Haïti, ils n'ont pas gagné pour eux que les frontières fermées pour un pile temps. Donc, ils ont décidé qu'ils ont relouvri les frontières bientôt. Mais cependant, nos produits bral déversés sur le marché haïtien, il y a des arsenic là-dedans. Ça veut dire, dans le poulet bral consommé, dans le spaghetti bral consommé, dans tout ça, Dominique bral voye barou, yo dit dans la réunion, il y a des arsenic là-dedans. Arsenic là, c'est un poison qui tue moun lentement, dépendamment de quantité ou consommée là. Il a tué en 2 ans. Ce jeune nous t'attendait là, mesdames et messieurs, amis fanatiques TV Lakaï, bagayo papal douce même pour haïtiens, haïtiennes, surtout eh ben qui ont même bouche au goût. Bon, par rapport avec Jean Bagayo, et bon, ça ne vide pas camper. Mais nous dit nous, mesdames et messieurs, fait un pile prudence parce que bagay yo pas pral douce pour haïtiens, haïtiennes. Nous allons faire autant de causer qui gagne dans vidéo ça, mesdames et messieurs, amis fanatiques. TV Lakaï Haiti.com. Yon étudiante américaine, mesdames et messieurs, fait Luis Abinader saisi, estomaqué, relé en moué avec des questions pièges que le posait. Président dominicain sous sa cap passé haïtien haïtienne eh ben la Kaili eh ben bagay la gen les pas douce pour Abinader deux pieds monsieur prend un seul grain sandal to a souke kol li vire le tourner par ça pour le dire eh ben entendez comment ça est n'a tourner Caballeros en République Dom Haïtien Fromsom ka vive Santiago de Los Caballeros en République Dominicaine deuxième ville République Dominicaine. Maintenant, nous prenons pile précaution. Faites attention avec nous-mêmes. Actuellement là, Santiago, c'est côté qui est dominicain, qui pire raciste contre nous-mêmes avec les Haïtiens. Et c'est yo prêt déjà pour yo passer à l'action. De fait, matin même, devant consulat Haïti dans Santiago de Los Caballeros, gagné une quantité militaire avec la police dominicaine et agents immigration dominicain avec bus et puis Kante qui passait rabouré depuis ces haïtiens qui comptent devant consulat. Il va besoin qu'on sous tes papiers, il va besoin qu'on sous pas de papiers. Son bagage qui est extrêmement compliqué et la fête comment? La fête de connivence avec magistrat Santiago qui relève Abel Maltines. Monsieur son raciste dominicain et monsieur toujours fait déclaration contre haïtien. Monsieur dit pas besoin haïtien dans Santiago. Monsieur dit pas besoin haïtien faire business dans Santiago. Monsieur dit pas besoin haïtien investir en rien dans Santiago. Et monsieur, en signe de solidarité avec entrepreneurs dominicains, avec hommes d'affaires dominicains, ça nous capable les nèg qui investit dans le secteur agricole en Dominicanie. Monsieur dit comme ça que les solidaires ensemble avec eux et la poussée de tout haïtien, la shooter de autant que chien pour aller dans le pays parce que pas besoin moun noue ça yo dans ville que le côté la diriger qui c'est Santiago de Los Caballeros. Et m'pa nous menti, taxi pas veut protéger haïtien dans Santiago. Taxi pas veut protéger dans Santiago. C'est rarement ou jeune dominicain qui qu'on fonctionne avec haïtien qui a accepté pour venir prendre pour le son haïtien pour l'accepter prendre. C'est rarement. Après ça, 80% taxi Uber en dans Santiago, yo pas vle porter haïtien. Et m'a dit en pile haïtien qui vivent Santiago, moi connais ville là, moi connais haïtien investi en pile dans Santiago. Moi connais yo t'a toujours aimé priorité dans Santiago, son bagage normal, l'on investi en côté ou investi pour 3 4 5 ans minimum. Jodi là, si situation vient compliquée, ça veut dire que vient sentir que est capable de business en jeu, investissement en jeu. Et ou quelque part, ou senti que Dominicain, Pavléoué, Haïtien définitivement. Et m'a dit nous ça qui plus grave là, gagné Allo Fouquet. Allo Fouquet, c'est un qui gagne, de radio-télévision, c'est un qui très influent dans les médias en ligne, alors réseaux sociaux en général, sur toute plateforme. Et c'est un, je suis capable de dire, mais c'est son comme Simnadjou qui collabore avec tout artiste honnête, ok? Tout gros artiste dominicain yo et tout gros artiste international yo les rentrent dominicain et tout c'est on nèg après au chita ensemble avec c'est on nèg après au venir dans émission tout ça c'est un show qui est intéressant en pile définitivement monsieur déclaré faut que tout dominicain commence à camper pour yo préparer pour acheter zam yo filer manchette yo pour que yo marché prend haïtien non titan qui pas trop loin et m'a dit nous ça en dominicain ni côté m'a pas la voilà et dominicain si les Dominicains commencent à péter pot haïtien, à râler mon château haïtien, voler tout ça que vous avez là, vous battez derrière elle. Vous violez filles. Nous sommes des ghettos en Dominicanie. Et je dis haïtien ça, c'est eux qui travaillent dans la construction, je connais ça très bien. C'est eux même qui travaillent dans le champ dominicain. Ça veut dire que ça clé terre pour vous. Je demande de nous tourner la caille, tant pour soupli. Parce que si vous travaillez terre en Dominicanie, pas de la vie. Je connais ça, je dis là. Si vous travaillez dans la construction dominicanie, vous touchez 500 pesos par jour, pas de la vie. Et m'a dit ça qui peut faire mal dans le peuple haïtien. Si on joue, m'a sorti dans zone Piantini. M'prend aller côté crelé Las Americas, kilomètre 10. Gon là on rentre dedans dans 10, gon côté gon construction qu'a fait. Mais son building qui gagne environ 6 étages. Gen haïtien qui non chafaud, cap crépi rendi, alors rendi m'pas connait vraiment. Yon building nan. Monsieur non code. Et puis chafaud en l'air. Chafaud côté monsieur met pied là. M'pa connait ça qui passé. Code là dans ceinture monsieur. Chafaud a cassé, code là cassé et puis monsieur a tombé son barrière en bas. Ça m'a dit nous là, me senti pendant m'a dit tout ça m'a tressailli. Un jeune garçon, 19 l'année. Là il tombé. Si on fait on barrière et puis qui piquet de fer là-dedans. Monsieur Maurice sur les champs. Rapide, vite. Responsable chantier, relais responsable compagnie. Yo tout vini pour monsieur, sans faire calcul ni rien, n'a que prendre al bourrel en batte. Monsieur pas même passer nuit là même, soit non manque de bail quelconque. Yo tout al prendre tout chaud al bourrel en batte. Pas de pièce de dédommagement, pas de rien du tout. Et m'a dit nous ça, les fêtes pour tout haïtien dominicani. Dominicain, prend un paquet haïtien, travaille dans la compagnie. La machine dans tout le pays, la travaille ensemble avec eux. Il faut faire 3-4 mois, il dit au consacre que la compagnie a pour débloquer COB. Ça m'a dit, nous là, c'est depuis Luis Abinader, président, de respecter ça, commencer à arriver en Dominicanie, parce que, monsieur, monter tête dominicain, il faut faire connaître que nous pas de aimer moun sa yo. Il dit, nous, c'est cancer. Monsieur, pas vle ouais, nous. Et monsieur dit, monsieur, fait dominicain, raille nous connaît naturellement. Monsieur fait rentrer ça dans le cerveau depuis dans l'école. C'est son méchant, monsieur. Demoiselle qui est sous écran, que m'gal fait entendre un peu. Merci, CB Charles. c'est une jeune étudiante qui est dans l'université Columbia à New York, Columbia University. Dans le cadre de Chita Palais, une visite, président Luis Abinader dans l'université qui a parlé à étudiants, c'était un débat, question-réponse. Il y a une jeune étudiante qui, bien sûr, c'est Tidam ça, son militante lié tout, mais militante qui défend droit moun. Mon famille Mendela yo, Mendelo Mendela, la défend droit moun ça yo. Ça veut dire que son Tidam qui pas peur parler pour prendre position. Attendez, oui. Li questionner président Luis Abinader pour le dire que Luis Abinader, nous avons deux pays, nous partageons même l'île, c'est la Caillou et Haïti. Mais moi estimé que nous-mêmes Dominicains, nous agissons, pensons c'est blanc nous yé. Ça crée là, ça le dit, oui. Nous agissons comme si nous sommes blancs. Nous racistes en pile. Le m'a regardé quelques images. Comment n'a humilié, maltraité haïtien qui vivent la caille non. Elle précise. Hein? Il précise, oui. Il précise pour le dire que ça qui fait mal, gen femme enceinte que n'a mettez de yo la caille non. C'est pas sous frontière, non? Comme si, et pas parce que vous arrivez sous frontière, vous mettez au dehors, non? Vous avez déjà la caille, non? Et n'a humilié, vous. Luis Abinader qui sentit deux pieds le marais, qui a dit que, non, pas un bail comme ça, parce que, lui-même la Cali, avec Haïti, donc, il n'y a pas de question de race, pas de question de couleur, pas de discrimination, etc. Parce que presque 85% ou bien plus de 85% moun nan pays yo tout c'est immigrants. Monsieur d'accord? Monsieur d'accord, il dit lui-même il c'est immigrant. Il finalement d'accord c'est immigrant. Il c'est immigrant. Attendez bien. Monsieur dit que donc bon paquet immigrants qui fait pays a. Donc pas une question de racisme, pas une question de race. Si dame nan insiste vous dit oui, il y a discrimination la gayo. Le persister, Luis Abinader finalement dit que non. Et comment on tape sans tout? Il dit, bon, il y a un pays seulement où qu'on est, côté que 35% maternité, c'est étranger là-dedans. Bon, voilà, qui dit États-Unis, etc. Monsieur Louis dit, non, m'bakoué, etc. Alors là, le prophète, il profite volontiers flèche. Mais moi, j'ai l'impression, si dame ça, m'bakoué, c'est. Cherche, qui nationalité? Bon, regardez, non, qui nationalité li? Checker pour moi, non, Luxon, pas checker sous lui, non, même pas quoi, c'est, il pas white, américain. Mais il dit que, justement, Jean Campé a son haïtienne qui t'a supposé camper comme ça. Quand pile moun la parle anglais, nous pral tande ça, comment le parle mon chat Abinader. Mon chat Abinader, ou pral tande comment le parle à mon chat. Mais gen ti ba, gon poil femme dou qui attire attention. Parce que, li pas seulement pose une question là, li non. Li campé. Chaque sa Abinader dit, li dit, non, et pas vrai Abinader. Abinader dit, c'est opinion. Li dit, non, et pas opinion, son fait. D'accord, ouais, tu vis ça. Ouais, tu vis ça, faut chercher lui. Yes, please. Hi, my name is Lizzie George Griffin. I'm from Chicago, Illinois. Ouais, ils sont de Chicago. My question is, the Dominican Republic was established as the Dominican Republic after 300 years of colonial rule, which included the enslavement and massacre of imported African people. Like here, America, and other countries affected by colonialism, the legacy of slavery still lives in its laws and practices. Homophobia and transphobia are racist European concepts enforced on enslaved Africans to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes, are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia, and colorism? OK. Avant d'aller plus loin. C'est question ça qui m'a répié Luis Abinader. Ouais, avant de poser question, il fait recherche pour l'expliquer que combien de temps la République dominicaine prend avant le vin pays. Pour l'expliquer que pays ont été dans l'esclavage, etc., ils ont colonisé, mais ils constataient que la République dominicaine gagne un schéma raciste la Cali qui pas petit. Elle dit ça qui plus intrigué, ça plus paniqué. C'est parce que dans le niveau raciste, discrimination qui sans pareil qui gagne Luis Abinader là, même femme enceinte pas épargnée. Elle dit ça qui est grave là. C'est pas femme enceinte qui vient sous frontière, non, qui a rentré. C'est moun qui déjà là et ou a expulsé malgré yon enceinte et son vérité. Et d'ailleurs, bon, tout la guetti mal ça parce que, on ça compte ça la parler. Il va voir monter la fait, non? C'est bon vérité la baille là, bon, gardez-moi. Gardez pour écran, gardez écran. C'est bon vérité la baille. Ou pral wè que qui va les femmes enceintes qui a débarqué là, timoun, femme enceinte, personne va épargner. Les dit Luis Abinader, c'est qui sont pral fait pour changer situation ça. Pour changer situation ça, côté que gen trop discrimination raciste la caillou. Qui sont pral fait pour changer niveau ça, côté ap gade moun sou couleur peau yo et son vérité. Ou est c'est dommage comme kounya ba yo mélanger. De pou gen ti couleur, gen ti couleur comme si ou pas fin noir. Eh grand pile bobiste, on prend pile faux dominicain tout, oui. Ça dit de pou ou gon ti couleur sou, yo dou pas haïtien. Bon ça pi drôle là. De pou senti bon gon bon quid sou, on m'a fait publicité. Et de pou gon bon parfum sou, yo dou pas haïtien. Y a chercher qui auto sorti mon passeport d'Haïti. Son peuple fréquent dominicain oui. Ou pas gen moun tout ka vivre l'autre ba yo penser dominicain oui. Yo agi même ja dominicain, yo sou moun même ja dominicain. Yo pense que c'est dominicain, oui. Ça veut dire que son peuple, son on équipe fréquent, oui. Eh bien, c'est question ça qui m'a répié Luis Abinader. On continue dans le Let me tell you. Luis dit, qui t'aime d'où? 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race. The real issue There's of race. An issue of race. Well, that's my opinion. Today. That's your opinion. And I am it's telling not an opinion. It's something that all well, people... But my opinion is that... people darker than you could tell you. Yes. I mean, this should be a respectful exchange of opinions. So don't... Vous direz, t'es obligé de BTO là? Jean-Louis TV a campé là. Lizzie George Griffin. Jean-Louis campé là. Modérateur obligé de dire non. Ouais, ça, son discussion... pour yon respecter l'autre. C'est ça, on échange qu'a fait, donc yon respect pour chef là, son président d'ailleurs. Parce que, monsieur commence à répondre pour le dire, dame, non que 85% moun kap vive là, yon mix. Ça veut dire que c'est pas de question de will dominicain, c'est pas comme si vrai dominicain, donc son équipe mélange qui fait. Monsieur dit, pas jamais gen bagay, discrimination à parler, à question de couleur, préjugés, etc. TV a dit oui. C'est vrai. Louis dit, mais non, c'est opinion, non, et pas opinion, son fait. Et son vérité. C'est oh là, obligé de mettre dans yo. Et tu as les fâchés tout bon, oui. I would love it to be a respectful exchange. Yes. So we have never had a problem, of race. In any society, you have a small area that you can have problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for... Monsieur intelligent, monsieur dit que ou ka jwenn un petit groupe haïtien qui gen ti problème ça. Même gens ça existait dans presque tout pays dans le monde là. Ici aux États-Unis gen el tout. Il a mis à défendre tête lui. Mis à défendre tête lui sérieusement. Pas un problème lui. A democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a wide problem in the Dominican Republic because we are mixed race. Most, 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of also of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital. Could you tell me, could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Monsieur dit que pas une question de discrimination à parler. Puis il dit seul bagay qui gagne à Haïti. Il dit ouais, seul problème que nous gagne à Haïtien yo, c'est parce que qui te pose une question ça. Est-ce qu'on ka dim yon pays dans le monde là qui gagne quantité moun sa yo qui vient accoucher la kaili? Il dit comment imaginer pour 35% maternité nous occupée par des étrangers? Ça n'est pas acceptable. Et quelque part monsieur Gonti kal vérité dans ça. Gon l'aime des fois émission comme ça. Les Iliettes tes amis, des fois émission avec sous ça. Son bail grave oui parce que moi m'te dis mon yo ça. Gon concept dans le temps que mon yo te kon dit, kounya n'pa ka utiliser, le temps évolué. Ça fait nous dit petit c'est bien pauvre malheureuse. On pense que jodi a 21e siècle. Gène ba que n'te kon dit dans le temps ou bien n'te kon fait, nous pas ka faire au même genre parce que monde là li évolué. Et le koun yo pa ouais jodi an Mathias gen yon pièce monsieur jouer sous ça. Côté que monsieur a bien que monsieur fait l'anticlasse boussal, il devait faire plus classique, mais son vérité le bail. Ti moun c'est planification. Pas dans quel côté ça écrit de bon ni coucher puis ba ti moun tomber. Si on erreur faite, yon fois le pas ka fait plusieurs fois. Parce que comment imagine une jeune femme de 24 ans par exemple qui gagne 5 petites pour 4 papas. Donc ça c'est grave. Tenez bien oui. Il y a un channel Haïti Viral News qui a diffusé la vla, mais des autres y a fait. L'oreille Calès. Tenez bien oui. Ça veut dire que un petit monde qui gagne 24 ans, un petit monde 28 ans, il gagne 5 petites pour 4 papas. C'est vrai, nèg yo méchant quelque part. Mais attention, mes amis, il y a plusieurs façons qu'on ka manger, mais on ka met. Ou font premier faux pas, ou prend ti moun. OK. Li lage piel parce que nèg la li c'est vagabond pour occuper ti moun nan. Pou nya wal prend l'autre nèg pour le caïdo occuper et puis il ba on deuxième. Li lage piel. Qu'on a cherché un troisième nègre pour le caïdo occuper l'autre deux premiers. Et puis il bat un troisième. Et puis ainsi de suite. Il n'est pas normal. Il faut protéger tête ou tout. Ça veut dire que, bon paquet jeune fille de bois, m'baron ça au penser. Malgré qu'on connaît, République Dominicaine, par exemple, qu'une question la loi du sol avant. Même ici aux États-Unis. Conseil de femmes haïtiennes que moi connais, m'baron si c'est pour Chelbert ou bien pour Fréquent. Yo gen les pensées dominicains au c'est blanc depuis yo rivé l'autre bar est en placard en dominicain ba et petit moun tombé pour yo ka fait ti dominicain pour yo ka fait ti dominicain et ça doit là m'ta parler avec mon ami Imani immigration débarquer kay moun yo pour militaire dominicain oui policier dominicain qui gen madame yo c'est haïtien. Y a déporté devant yo pa di rien. Yo campé y a regarder puis yo pral ak fia. Entendez bien oui, ti moun nan nan kale puis yo prend maman, yo pral lavel. Et pas de respectant lié. Et pas de respectant ça eh. Ça veut dire que là me pense que mesdames haïtiennes yo faut contrôler question ça. Monsieur yo tout faut contrôler. Ou rive dans pays moun yo sans papier. Et pour tomber grenen ti moun. Monsieur, gérez bagay yo. On connaît que les feelings ne traversent, c'est difficile parfois pour nous contrôler bagay. Surtout mesdames, ah ouais. Et mesdames, yo debout un feeling ne traversé. Et DG fermé. monsieur, il faut être plus vigilant.